catch me howling at the moon. Bonjour à tous. Alors là, je vais vous parler de l'animation d'un leurre souple pour pêcher la perche en linéaire. Donc, lorsque votre leurre tombe sur le fond, là, vous allez le décoller du fond par une courte tirée. Vous allez le laisser retomber sur le fond. Vous allez baisser votre canne, deux tours de manivelle, et je recommence une petite tirée. Je laisse le leurre tomber sur le fond, et dès qu'il est sur le fond, je baisse ma canne, je fais deux tours de manivelle, et je recommence une petite tirée. Alors en général, la touche a lieu à la descente, mais il arrive parfois que la perche tape sur le leurre et qu'on ferre dans le vide. Si ça se produit, je vais vous donner une petite astuce. Vous laissez le leurre retomber sur le fond, vous attendez un court instant, et là vous reprenez l'animation. Et là, à ce moment-là, il arrive que la perche revienne retaper sur le leurre quand ce leurre se décolle. Et là vous avez la touche et là vous prenez le poisson. Alors là, je vais vous parler des deux combos que j'utilise pour pêcher les grosses perches en lac et en rivière. Donc il s'agit pour la casting de la Terminator Pro Power Fishing en 7,28 grammes. Et pour la spinning, la toute nouvelle TI Pro, la Jigger Finesse en 2,40 m et en 7,28 grammes. Donc ces deux cannes sont assez complémentaires. Après, ça dépendra des ressentis de chacun. Moi je sais que j'aime bien utiliser les deux. Pour ce qui est de la tresse, donc pour les deux moulinets, j'utilise de la 12 centièmes avec un bas de ligne en fluoro d'une longueur variable en fonction de la turbidité de l'eau, entre 50 et 1,50 m de longueur, en 18, 22, voire 25 centièmes maximum. Il est pas rare, sur les lacs où vous avez beaucoup de brochets, de monter jusqu'à 60 centièmes pour éviter les coupes des brochets. Voilà. Alors là, je vais vous parler d'un petit montage assez efficace pour la perche. Lorsque vous pêchez les zones qui sont très encombrées. Donc c'est le montage Carolina. Donc ce montage, il va vous permettre de pêcher dans les arbres immergés sans vous accrocher et d'aller débusquer les grosses perches. Alors ce montage va se composer d'un bas de ligne avec dessus un plombal avec une petite perle, un émerillon baril pour éviter que le bas de ligne vrille, 20 à 40 cm de bas de ligne et un hameçon offset et un leurre, un critère, les écrevisses de chez Fox Redge ou alors un slick shad. L'hameçon étant ainsi protégé dans le corps du leurre, donc ce dernier va passer dans les obstacles sans s'accrocher et vous allez pouvoir débusquer les grosses perches qui restent imprenables dans ces branches. Alors là, je vais vous parler d'un montage que j'affectionne tout particulièrement pour la perche. Surtout pour faire pas mal de quantité de perches, c'est le montage drop shot, mais tout particulièrement le montage drop shot que j'utilise le plus. Donc il se compose d'un bas de ligne d'1,50 m à 2 m en fluoro en 18 centièmes, sur lequel je vais mettre deux hameçons à drop shot, donc ici des hameçons un ou deux drop shot, avec espacé d'une trentaine de centimètres, avec en terminaison une olive, un plomb drop shot, ce que vous voulez pour finir ce montage. Donc là, je vais vous parler des leurres que je mets sur ce montage. Donc je vais mettre soit des micro spikey, soit du mini fry, soit des critères, soit des micro grubs. Enfin voilà, on a toute une gamme de leurres pour le drop qui est très très efficace. Donc ce que je vais vous conseiller, c'est de ne pas mettre pour commencer, de ne pas mettre les mêmes leurres sur les hameçons. Donc changer carrément de teinte de leurre. Mettez par exemple un leurre fluo et un leurre un peu plus sobre. Les perches vont avoir une préférence sur ces deux leurres et vous allez souvent prendre sur les mêmes leurres.
Donc une fois que vous voyez que par exemple là c'est que cette couleur chartreuse qui va prendre, eh ben, vous pouvez remplacer votre leurre du bas par un chartreuse. Et là vous ferez des doublés de perches. Voilà. Donc pour commencer, utilisez deux couleurs différentes et vous peaufinez par la suite. Donc pour monter l'hameçon, en fait la finalité, il faut que l'hameçon soit droit. Vous voyez là, j'ai fait mon nœud, mais l'hameçon il n'est pas du tout droit. Pour que le leurre soit présenté correctement. Donc pour ce faire, vous allez passer votre brin restant, vous allez le passer dans le haut de l'œillet de votre hameçon. Voilà. Ensuite, vous tirez. Et là, automatiquement, votre hameçon va se présenter correctement. Voilà. Donc vous faites le nœud que vous voulez pour accrocher votre hameçon, mais impérativement, vous repassez le reste de fil, le reste de bas de ligne qui reste, vous le repassez dans le haut, du haut vers le bas de l'œillet, et ensuite vous tirez, et votre hameçon va venir se présenter correctement.